Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie et bienvenue sur le K-Chart. C'est le classement de la Yusan Unit, c'est-à-dire le classement des abonnés de la chaîne. Si tu sais pas ce que c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons et tes artistes préférés. Les chansons pour lesquelles tu peux voter, c'est les chansons que soit vous me donnez en suggestion ou auxquelles je fais des vidéos réactions jusqu'à un maximum de 8 semaines. Après 8 semaines, j'enlève la chanson du vote afin de faire la place à celle qui arrive semaine après semaine tout simplement. Parfois il y a des ex-aequo et c'est très simple, je décide qui est au-dessus, qui est en dessous, selon la moyenne du classement. Selon les votes, plein de trucs, plein de paramètres, et j'essaye de faire le classement le plus juste possible en fonction de ça. Tout au long de cette vidéo, tu feras des petits stickers. Piou ! Ils signifient tous quelque chose. Par exemple, la goutte de pluie bleue, c'est une nouveauté. Le soleil, ça veut dire que la chanson fait partie du classement depuis 5 semaines consécutives ou non. L'éclair jaune, ça veut dire que c'est la meilleure progression de la semaine. Le petit nuage rose, ça veut dire que la chanson fait partie du top 3. Le parapluie rose, c'est tout simplement mon logo, c'est ma chanson préférée de la semaine. Et le parapluie d'or, c'est la chanson qui était numéro 1. Maintenant qu'on a fait les présentations, comme chaque semaine, je te laisse avec le classement de cette semaine tout simplement. Allez, on se retrouve après. Yeah. 내가 부르는 나의 이름이
tu souhaites soutenir la chaîne, sache que tu peux le faire de deux manières via mon compte Utip. La première, c'est en me faisant un don monétaire, tu me donnes le montant de ton choix. Et la seconde option, c'est tout simplement en regardant une petite publicité. À chaque fois que tu regardes une petite publicité, en fait, ça me reverse un tout petit peu d'argent, c'est-à-dire environ 5 centimes. Et moi, bah, ça m'aide à continuer la chaîne, à acheter dans le futur de meilleures lumières, une meilleure caméra, etc., etc. Et si tu veux m'aider à améliorer la chaîne, bah, je t'invite à aller voir dans la description et tu auras le lien pour me soutenir. Félicitations à Mamamoo qui sont premières enfin. C'est la deuxième fois qu'elles sont premières parce qu'elles l'avaient déjà été avec Gogo Bébé, mais là c'est la première fois avec Hip. Donc félicitations à elles, elles sont restées longtemps deuxième. On savait pas si elles allaient devenir premières ou pas, mais la malédiction est brisée et elles sont premières. En seconde position, c'est Monsta X avec Follow, une chanson que j'aime beaucoup. Et en troisième position, TXT avec Runaway, c'est aussi une chanson que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment ces deux boy group là, j'aime beaucoup ce qu'ils ont sorti récemment, donc Runaway et Follow. Donc je suis content qu'ils fassent et qu'ils terminent ce top 3. La meilleure progression de la semaine, c'est Twice avec Fake and True. Alors je sais pas, je pense que c'est en fonction des ONCE. Parfois ils se réveillent et ils votent à fond pour Twice, et parfois ils vont pas voter pendant 2-3 semaines d'affilée. Et puis les Twice, elles vont être entre 15 et 20e. Je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est la meilleure progression de cette semaine. Ma chanson préférée, c'est Wavy, parce que j'aime beaucoup cette chanson, tout simplement. Moonwalk, je la trouve super cool, et je la ferai en réaction sur la chaîne quand j'aurai le temps. Mais ça va arriver tôt ou tard, parce que j'ai vraiment envie de la faire en réaction. Plein de petites nouveautés, hein, il y a eu Six, il y a Day Six, il y a Winner, enfin il y a vraiment plein de trucs. Sans oublier les deux titres de Wavy, et donc bah voilà. Comme chaque semaine, des chansons vont quitter le classement, et d'autres vont rentrer, et tu vas pouvoir voter pour elles, et il s'agit de celle-ci. On va redire au revoir à trois petites chansons qui n'ont pas vraiment fait fureur malheureusement, Lady Scott, Tiffany Young et N Flying. Et je pensais que vraiment N Flying elle est cartonnée en vrai, parce qu'ils ont cartonné avec Rooftop par exemple, dans le classement par exemple, ils étaient restés super longtemps. Et là je me suis dit ouais, pour Good Bam ça va être la même chose, surtout que je préfère Good Bam à Rooftop personnellement. Donc je me suis dit ouais, cette chanson il y a moyen qu'elle fonctionne, mais non. Donc je sais pas trop pourquoi, mais tant pis. Et cette semaine il y a pas mal de chansons qui rentrent. J'ai essayé de faire une petite sélection quand même de titres un peu différents, variés. C'est que des mecs par contre. Et si tu trouves que des chansons manquent à l'appel, n'hésite pas à me les proposer en suggestion, en commentaire tout simplement. Je regarderai si je peux les faire en réaction, et si pas, bah, je les rentrerai quand même dans le classement pour que tu puisses voter pour eux ou elles la semaine prochaine. Tu peux d'ores et déjà voter d'ailleurs pour le classement de la semaine prochaine avec le lien qui est en description. Et n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc tu as YouTube, tu as Instagram, tu as Twitter, tu as Facebook. Tu peux me suivre sur les 4, sur 1, sur 2, sur 3, tu fais comme tu veux. Si tu me suis si t'en envie, uniquement si t'en envie. Mais si tu le fais, moi ça me fait super plaisir en tout cas à chaque fois de voir de nouveaux abonnés, de voir que vous aimez bien ce que je fais. Donc voilà, merci à vous. En attendant, bah, on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau classement. Bye 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 bye. Annyeong.